Salut Fabrice. Bonjour. Bonjour, alors tu veux te présenter et nous présenter un objet assez intéressant là. Je m'appelle Fabrice Boutin, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on entreprend dans l'univers de la santé, de la remise en forme. Ma première société s'appelle aujourd'hui.com. On est leader en France sur la nutrition santé avec 2 millions de visiteurs uniques et la particularité d'avoir 100 000 personnes qui suivent des programmes de coaching, de rééquilibrage alimentaire. Et aujourd'hui au CES, ici à Paris, on vient présenter une nouvelle innovation qui est la fourchette. Donc on l'appelle la Happy Fork de notre nouvelle société Happy Labs, donc laboratoire de données personnelles et notamment autour de la nutrition. Parce que la nutrition, c'est 50 à 60% de notre forme et de notre santé. C'est très important de faire attention à ce que l'on mange. Et alors la fourchette, comment elle fonctionne? Elle est connectée? Alors ce qui est magnifique avec une fourchette, c'est que tout le monde sait comment l'utiliser. Et elle va traquer, donc elle est intelligente, elle va traquer trois données importantes. La première, c'est l'heure de la prise des repas. D'accord. La deuxième, c'est le nombre de coups de fourchette par repas. Et ça, c'est un petit peu rigolo. Mais c'est très important parce que ça va nous permettre de connaître la durée entre chaque coup de fourchette, entre chaque fois que je porte l'aliment à la bouche. Et on sait l'importance aujourd'hui, ça a été montré dans les études médicales, du fait de prendre son temps quand on mange pour préparer la nutrition, pour préparer la digestion et autres. Et si je mange trop vite, c'est là où c'est super. Et c'est une invention qui a été faite par l'inventeur Jacques Lépine. D'accord, qu'est-ce qui se passe alors? Si on mange trop vite? Voilà, si on mange trop vite, ben on va avoir une petite vibration. D'accord. Une petite vibration qui va nous faire ralentir le comportement. C'est un feedback. Voilà. C'est un biofeedback. Ouais, c'est un feedback dans un premier temps pour se remettre dans le bon rythme, mais toujours dans une logique de rester sur le plaisir aussi. Enjoy the food. Et c'est important de prendre le temps de manger, de le faire avec des gens qu'on aime bien d'ailleurs. Alors, dis-moi, la fourchette, là, si j'ai envie de l'acquérir, je peux faire quoi? Ou quand est-ce qu'elle sera disponible? Alors, l'histoire de la fourchette, elle est marrante parce qu'on est en finale au CES à Las Vegas des innovations 2013 sur la partie santé et fitness. Énorme. Ça, c'est top, ouais. Énorme. Et moi, je suis originaire du bassin d'Arcachon, de Gujan-Mestras. Et c'est vrai que dans le sud-ouest, on aime prendre le temps de bien manger, quoi, et de le faire avec des gens qu'on aime bien. Donc, c'est cette notion-là que j'ai envie de faire et de communiquer un peu partout dans le monde pour qu'on prenne le temps de manger et qu'on le fasse avec des gens qu'on aime bien. Voilà. Et une idée de prix et de disponibilité alors? Ce sera disponible à la fin du premier trimestre 2013. D'accord. Dans 3-4 mois maintenant, donc ça va arriver vite. Et ça va être proposé, donc ça va être la fourchette avec une application mobile, un web dashboard pour suivre des statistiques, un programme de coaching de 21 jours qui sera inclus et un jeu social et familial pour éduquer également toute la famille. Et elle sera vendue certainement au prix de 99 €. Bravo Fabrice, merci. Merci.